Nous allons tenter de même expérience ici et que les médias se reconnaissent à leur département. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a la NAC, mais il y a aussi le ministère de l'Information et de la Communication qui doit ouvrir ses portes et discuter avec les journalistes. Donc c'est extrêmement important, c'est cette dynamique qu'on a engagée. Et dans les prochains jours, on va rétablir un peu le cadre de l'Europe avec la réponse. Et que de temps en temps, on se retrouve autour de la même table. On essaye d'aplanir les différences et puis d'aller de l'un seul, la famille, sans qu'il y ait trop de vidéos. Et puis, inviter également à nous journalistes, parce que tous les partenaires, souvent vous avez de l'habitude pour gérer tout ce que vous avez. Et que les journalistes sachent effectivement que vraiment, nous ne sommes pas des extraterrestres. Ce que nous faisons pour le pays. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il y ait la paix sociale dans ce pays. Qui est limité. Et que les œuvres que le chef de l'État, le général Mamadou Doumbouya, a fait, que de temps en temps, on essaie de traduire, voyez-vous, je n'ai pas dit de faire jouer à la violence, mais si les faits sont là, on essaie d'apprécier à nos voyez-vous, et qu'on essaye de se donner la main, non seulement fonder une famille, regarder dans la même direction. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas vous obliger à pour qu'on soit sur la même ligne. C'est vrai que les rédactions, ils ont des lignes différentes. Mais quand les faits sont là, on peut apprécier les faits. Ça, c'est naturel. On peut interpréter différemment, c'est possible. Mais sans déformer le contenu. C'est extrêmement important. Donc, dans les prochains jours, la Direction nationale de perfectionnement, le centre de perfectionnement, va élaborer un canevas de formation. C'est-à-dire de temps en temps, que les médias privés, les médias publics se retrouvent pour discuter, pour échanger, et puis qu'on essaye quand même. De faire des petites corrections, ça peut nous aider, ça peut aider le pays, ça peut aller en avant. Parce que c'est vrai qu'il y a certains trucs dont tu connais. Parfois c'est très dur, hein? Parfois c'est incendie. Parce que le journaliste n'est pas. Il est interdit à un journaliste, par exemple, de toucher à la vie privée. Mais chez nous, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par les réseaux sociaux, les nouveaux médias. Vous connaissez les conséquences ou pas? Les nouveaux. Parce que. Si par exemple, si un journaliste, le matin tu te réveilles, tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois une nouvelle, et directement tu vois ça sur les radios, ou sur les télés, ou alors que c'est très grave en matière de. Le journaliste doit faire des nouvelles. J'ai vu une nouvelle, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que je dois envoyer des trois matins. Mais non, c'est condamnable. D'ailleurs, c'est condamnable. Je dois apprécier et puis faire des recoupements, vérifier si l'information est correcte. C'est pourquoi on nous demande de diffuser des infos vérifiées ou vérifiables. Là, on n'a aucun problème. Parce que là, tu es un peu là. Donc, nous sommes là, pas donner des leçons. Hein? Mais, voir comment, désormais, on va essayer de travailler ensemble et d'ouvrir complètement les portes du département. Parce que de temps en temps, les différents directeurs viendront vers vous. Ils viendront vers vous. Pour échanger avec vous, pour voir comment dialoguer, s'il y a des difficultés. Voir comment résoudre ces difficultés avant même l'intervention de la radio. Je pense que c'est faisable. C'est faisable. Mais, donc, Azouka et Madame Rétrix, et je vous appelle la vidéo, qui sont les médias publics, devront multiplier les rencontres et les échanges avec nous. Merci, on viendra. Merci. Kanya, tu as oublié. Il a oublié.